Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve. Enfin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et les gars, aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle voiture qui est sortie sur GTA V. Parce que vous savez maintenant, les mises à jour de GTA V, c'est plus les mardis. Avant, c'était les mardis. Maintenant, c'est les jeudis. Et donc, moi, bah voilà, je vous épouse la vidéo le lendemain matin. Donc, c'est la toute nouvelle voiture, donc la Zion classique. Donc, voilà à quoi elle ressemble. On va dire sans customisation. Donc c'est un véhicule des années 80. Et je dois vous avouer que ce véhicule me fait penser à BM, je sais pas vous. Ça me fait penser au BM au niveau du devant. On dirait une BM. En tout cas, je vais vous montrer quand même le prix du véhicule avant toute chose, bien évidemment. Donc vous allez dans South San Andreas. Et la Zion qui coûte du coup 812 000. Donc apparemment c'est un véhicule qui des années 80. Après, bon, on ne sait pas ce qu'il en est, est-ce qu'il est rapide, qu'est-ce que c'est comme genre de véhicule. En tout cas, on va aller voir ça, on va custom tout ça tranquillement ensemble. Ok, du coup, c'est parti, on sort du parking et on va aller custom le véhicule. Donc, je rappelle que le prix du véhicule coûte 812 000, ce qui coûte, franchement, le prix est assez élevé, je ne vais pas vous mentir. C'est assez cher, 812 000. Je vais pas mentir que, franchement, dès que j'ai vu le prix, je me suis dit, waouh. Autant pour ce genre de véhicule. On sait pas après ce qu'il en est. Est-ce qu'il est beau à custom? Est-ce qu'il a pas mal de choses? On va voir tout ça, vous laisse custom. En tout cas, je voulais vous remercier les gars aussi pour tous vos retours en ce moment. Soit dans les commentaires. Parce que croyez pas que je lis vos commentaires les gars. Je lis pas vos commentaires. Je lis vos commentaires bien évidemment. Parce que croyez pas les gars que je lis pas vos commentaires. Je lis forcément tous vos commentaires, etc. Tous les matins en me réveillant. Ben voilà, vous savez, hein, il y en a même que j'adore, etc. Et c'est vrai que ça me fait plaisir. En ce moment, il y a de bons retours, ça fait plaisir. Et ça donne envie de faire plus de choses. Et même, je sais pas, mais j'ai envie de vous faire aussi quelques petites vidéos IRL de temps en temps. Pourquoi pas une tous les samedis, on verra. En tout cas, je ne dis rien pour le moment, c'est secret. Je voulais aussi vous parler. Avant toute chose, c'était quoi? C'était la vidéo, ouais, les vidéos séries qui vont reprendre. 0$, millionnaire, etc. Ça va reprendre bientôt aussi. Et une nouvelle série aussi qui va arriver. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver en temps et en heure. Peut-être que dimanche, il y aura un épisode de 0$. Je dis ça et je dis rien. Alors, c'est parti pour la customisation. Donc c'est une sportive classique. Donc forcément, bon, sportive classique, généralement, c'est des véhicules. C'est des anciens véhicules. Alors, blindage, on va mettre à fond. Frein. Frein de course, pare-choc. Alors, on a deux séries couleur 1, on a rue couleur 2, tuning. Donc, tuning, on a forcément la petite plaque pardon, qui s'affiche. Tuning couleur 1, course et course couleur 1. Tuning, course. J'aime bien tuning, hein, avec le petit. On va mettre le dernier, course couleur 1. Ensuite, pare-choc. On a deux séries 1. Ah ouais, ok, deux séries normales et deux séries couleur 1. Ah non, je crois qu'il y a un truc qui change quand même. On a tuning et tuning couleur 1. On va mettre tuning couleur 1 pour rester dans le thème. Alors, châssis. On va mettre sport, course. Bon, allez, course forcément. Bien évidemment, on met toujours les trucs à fond. Alors, moteur, bah forcément niveau 4, 31 000 quand même. Ok, on a des réductions sur les freins apparemment, voilà. Échappement série 2, donc on a deux fois les mêmes trucs. Aboukrome, titane, carbone et alu. Ouais, alu, je crois qu'on a, c'est rare qu'on a des trucs en alu. Habituellement, on a toujours soit on a titane, soit on a chromé, genre titane c'est avec les trucs bleus. Mais on va mettre alu parce que c'est la première fois que je vois ça, je crois alu. Ou du moins j'ai peut-être vu mais j'ai pas fait attention. En tout cas, alu c'est pas mal. Ensuite, explosif, non, L. Alors, on a couleur 1 et carbone. Ah, ok, c'est ça. D'accord, on a couleur 2 et carbone. Je vais mettre couleur 2, mais on verra bien ce que ça donne en série. Alors, phare. Ah, oui, regardez le. Ok, c'est pas mal en fait, les trucs de sécu là. On a essuie-glace, phare 2. Essuie-glace. Et quoi qui change en fait? Ah, ok, c'est là. En fait, là, vous avez pas d'essuie-glace. Vous avez niveau des phares, là, je vous zoome. Regardez. Ça, c'est le des séries. Hop, là, on a des essuie-glaces. Et ici, on a avec ruban.
Je vais mettre des essuie-glaces parce que j'avoue que j'ai jamais fait ce genre de choses. Alors que bon, la croix, on l'a tout le temps. Enfin, on le fait tout le temps. On le met tout le temps, du moins. Ensuite, capot. Alors, on a carbone. On a requin. Requin carbone. On a prise d'air. Prise d'air carbone. Triple ouverture. Triple ouverture carbone et triple ouverture apparent. Ah ouais. On va mettre apparent. Allez, on met apparent. Ensuite, klaxon, on met pas. Éclairage, bah forcément phare xénon. Kit néon, avant, arrière. Couleur néon, on va partir sur un petit rose. On a un petit rouge. Ensuite, ah, motif. Alors, on a premier électronique. On a couleur redwood. Bière. Ok. Alors ça, j'ai peut-être changé la couleur du véhicule avant. Parce que moi, je sais comment je vais le mettre, le véhicule. Je pense que je vais partir sur un métallisé. En rouge. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mettre nos véhicules en rouge. Rouge Torino. Rouge frais, c'est bien. Rouge lave, c'est bien aussi. Rouge formula. Rouge fraise, c'est comment? Allez, on part sur un rouge fraise. Allez, allez, rouge fraise. Ensuite, couleur secondaire. On va partir aussi sur un rouge fraise. Hein. Allez, pourquoi pas. Hop, rouge fraise. Non, rouge fraise. Voilà. Ensuite, donc c'était ça que je voulais aller voir. Alors maintenant qu'on a mis le truc, juste voir un truc déjà, c'est le capot. En refermé, ouvert, comme ça, c'est pas mieux qu'en ouvert. Ouais, je sais pas, on verra après. Alors, c'est les motifs, voilà. Alors, du coup, on a celui-là qui rend bien avec le rouge, forcément. On a le cigare. On a Prince Wafou. Ah, c'est la princesse. Bon, là, on a l'habitude de le mettre souvent, celui-là. On a pneu, rallye et bière. Bière, je sais pas quoi. Ouais. On a aussi celui-là, c'est fausse rouille, dégueulasse. Princesse. Si je mets ça avec le capot. Écoutez, je vais mettre le capot comme ça. Parce que le capot vert, c'est dégueulasse. Et je vais voir les motifs. Ah, ok, là, ça rend plus dégueulasse maintenant. Ouais, là ça rend un peu plus dégueulasse forcément parce qu'on a le truc en plein milieu là dégueulasse. Bon, pour ma part on va partir sur un. Après premier c'est bien aussi hein. Parce que si je mets ça par exemple. Bon, on va partir sur premier électronique. Allez. Ensuite, rétroviseur. Couleur 1, couleur 2 et carbone. On va mettre carbone. Voilà. Histoire de changer un peu la couleur du véhicule. On va partir sur ça. Peinture, on a déjà mis. Toit, alors on a antenne, bagage. Non, dégueulasse. On va mettre bagage. Aileron. Et on va mettre aileron. Oh, c'est pas mal ça. Aileron, couleur principale. Voilà. Vendre en bas de caisse. Alors on a finition. Ok, en carbone, bas de caisse performance. Ça me fait penser à BM, je sais pas pourquoi. BM performance. Bas de caisse couleur 2. On va partir sur bas de caisse couleur 2. Aileron. Alors, on a B. Bec de canard, pardon. Bec de canard, carbone. Ah ouais, pas mal. Bagage de coffre. Aileron de course. Bah, on va partir sur aileron performance, ça. Suspension, la déréduction en ce moment, donc suspension de compétition. Transmission de compétition. Turbo, bien évidemment. Roue. Roue. Oh, j'ai mis les roues de série. C'est pas mal. J'aime bien les roues de série.
Est-ce qu'on peut mettre en chromé? Voilà, j'ai mis les chrom en chromé. En série, mais chromé. Ok. Ensuite, couleur des pneus, on peut pas changer forcément. Apparence des pneus, on peut pas. Plat d'épreuve des balles. Fumée de pneus, on va mettre rouge. Voilà, fenêtre. On met en limousine. Par contre, je vais juste voir un peu les couleurs du véhicule. Ça donne quoi en autre couleur, par exemple? Ah, ils sont pas. Même le jaune, j'aime bien. J'ai une racine, c'est pas mal aussi. Bleu, c'est beau aussi. Voilà, c'est un peu plus dégueulasse. Blanc, on dirait vraiment une BM. Noir, on dirait ma BM, tu sais. Noir, c'est pas mal aussi. Mais on va rester sur le rouge, hein. Même si j'aime bien le jaune, hein. Honnêtement, le jaune, ça rend magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires en jaune. Si vous aurez mis jaune ou rouge, vous. En tout cas. Ah ouais, jaune, je veux mettre jaune. Je suis désolé, les gars, je craque. Allez, on part sur jaune racing. Ok. Eh bien, les gars, c'était la customisation du coup de la Zion classique. Je vais juste tester ce qu'elle envoie. On va écouter un peu le bruit. Déjà au niveau de la vitesse, bah voilà, c'est pas la joie. Même si elle a un bon bruit, j'aime bien. Je parle pas tout à l'heure parce que je vous écoute un peu. Non, franchement, elle a une bonne conduite. Après, pour une sportive classique, c'est forcément, voilà, c'est les sportives classiques généralement, ils ont pas des bruits non plus, voilà. Mais bon, comme je l'ai mise, moi j'aime bien. Après, bon, je sais pas quelle couleur vous auriez mis vous. Moi j'aime bien. En tout cas voilà, c'était customisation de la Zion classique. Et pour moi je crois que c'est une BM. Je vais vérifier en même temps que vous. Zion classique GTA. Zion classique, Zion classique BM. Ouais, c'est une BM, c'est une M6. Ouais, c'est ce que j'avais raison. Ok, donc c'est bien une BM.